Bon, moi, mes informations. Guy Philippe a préparé pour l'élection 2025. Donc, après transition. Pour la galerie, en fait, là. Après transition, pas intéressant. Guy Philippe se prépare pour les élections de 2025. Mais faut le poser tout, oui. Pas tant des oreilles, population, non, a fait Guy Philippe sous base. Guy Philippe a installé. Menti! Livre dit que Mounzaïo, yo met dans mes ok, Mounzaïo qui choisit ou accepter mes dames dans mes et nous, quoi que je dis à la situation présentée là, et le jeu ne vaut pas la chandelle. Mm-hmm. Non, ne vaut pas la chandelle. Ok, moi-même, mes pays en pile. Tellement mes pays à nous, que j'ai des bagailles comme si m'accepter de fait. Mais, et pas toutes les fois. Pour toi et mes pays ou passer l'autre monde. Parce que c'était tout. Oui. Ça gagne là, je dis là. Nous, dans le studio là, si nous avons pris nous tous et nous là, et nous pas. Oui, c'est vrai. Nous avons examiné, monsieur Mbaban Manti, pays à nous lier. Pays à nous lier. Je ne vais pas nous mentir. Et nous, chef, commandant, à vos ordres. Barbecue, commandant, à vos ordres. Vite l'homme, commandant, à vos ordres. Iso, commandant, à vos ordres. S'il a pli, à vos ordres, commandant. Le mois s'en joue, à vos ordres, commandant. Jeff Canaan, à vos ordres, commandant. Chez Michel. Gabriel, à vos ordres, commandant. Chez Méchant, à vos ordres, commandant. Ti Greg, commandant, à vos ordres, commandant. Toute qualité chef, à vos ordres, commandant. Pour qui ça me dit, commandant? Parce que c'est eux-mêmes. Barbecue, commandant, porte-parole, commandant. Les général, yo. Général, tout général, yo. Et Chris, et commandant, nous, monsieur. Chaboba. Et nous, mettre pays, nous. La loi, tout le monde. Et non, mais nous, lié. La loi dirige le pays, non, mais nous, lié. Mais, il y a un problème avec nous, là, tout. Pourquoi m'a dit ça? Ma brille, nous, commandant. Commandant, faut faire preuve, nous. Mais connaît tout. Pour pouvoir, commandant. Connaît tout que chaque bail qu'on fait. Mais non, Louko. J'appelle ces commandants. Ouais. J'appelle ces commandants parce que ils sont des commandants. C'est clair. Ils sont des généraux. Clair. Ils ont des amis mais ok. Monsieur, nous avons des amis mais nous. Pour pouvoir. Il y a pas négé mon ouvrier. Ok. Monsieur, par contre, on t'a fait nous pas pour pouvoir. Mais tout bagage qu'on fait. Oui, mais Louko. Ok. Par contre, on t'a fait négé pas pour pouvoir. Est-ce que c'est mettre nous y mettre? Est-ce que nous y mettre vrai? Nous disons pas y mettre. Mais, dans l'analyse, moi-même personnellement, je sens que nous avons contraint. Mais monsieur, je me dis nous y pourquoi nous y mettre? Nous disons, nous sommes révolutionnaires. Zamnomenou. Mais au gain pouvoir là, etc. Oui, mais. Ou bien, je dis, comme si, ou bien Haïti, en fait, Port-au-Prince, Delma, en fait. Est-ce qu'on est gueulé? Dans les métropolitaines. C'est que son nous pas le pouvoir son visible à Louko. Pouvoir politique. Oui, pouvoir visible là, ça veut dire que pour que tout bagaille ministère bagaille, la présidence bagaille, tout bagaille, mettez chef police nous, et son homme là, révoquer LB, oui, on est capable. Oui, on est capable. Mais on bloque vol Louko. International lui. Mais au cas des pays, mon cher. Oh, Louko. Mais go ferme pays. Ça fait même doute que yo gon certain pouvoir. Maintenant, yo pas un pouvoir politique là. Ok. Ça fait ou gagner. Ah ben, il faut gagner une stratégie pour ça. Ah. Ok, il faut gagner une stratégie pour ça. Pour gagner. Bon, en tout cas. Vous êtes des commandants, monsieur. Vous êtes des commandants. Pays à l'homme nous lié. Pays à sous compte nous lié. Dégagez-nous. Gérez pays. Moi-même, baissez les bras. Ça veut dire que cette question de pays, moi, pas gagner pays qui a fait. Moi-même, c'est une construction de pays mieux. Si ça n'a pas fait à la. Nous montrer le pouvoir nous prendre pour gérer pays pour mener pays au bon port tant que Ibrahim Traoré tant que le président du Niger le commandant du Niger le commandant de l'autre pays Mali. Si c'est comme ça nous fait Castro comme il l'a fait correct si elle a nous camper moi même Esaïe César m'a avec nous mais bon même seulement oui c'est vrai pays a avec nous mais ça m'a gardé là. Ça m'a vivre là. Chaque côté me passé, mon grain de moi. Passer l'autre côté. Pas moi, 17 moun mouri. Là, il y a 4 moun fou. C'est pas possible. Là, monsieur, m'a questionné. M'passe bon l'hôpital général. Un paquet de pharmacie boulet. C'est pas possible.
monsieur. En aller, en aller. Alors ce comportement. Voilà, mais nous monsieur. Ce comportement côté que des monde qui parle qui demande amnistie vous. Ah non, monsieur. Monsieur. Moi même moi les haïtiens. Regardez, sont ces policiers kidnapper Lucien Jura, monsieur, monsieur libéré. Libéré Lucien Jura, monsieur. Barbecue, moi rappelle moi te dit commandant. Commandant barbecue. Vous te dit, commandant barbecue te dit. Et pour tout nègre sous kidnapper. Tout nègre sous kidnapper. Nous kidnapper ou libérer. OK. Il te dit lui. Barbecue, commandant barbecue, yo kidnapper Jura. C'est un petit peuple là. C'est petite soirette Jura Lucien Jura parce qu'elle était porte-parole la présidence. On porte-parole, on sait porte-parole la présidence pas veut dire rien. Quand elle gagne l'argent. OK. Ça veut dire que monsieur gagne ministre commerce qui doit jurer en paquet l'argent. OK, il a travaillé a fait ses efforts, yo doit jouer au paquet l'argent. Jura lui-même qui une équipe mon capitaine Abel doit mon paquet l'argent. Libérer Lucien Jura. Mes amis, Lucien Jura pas un coup de nommel. Libérer Lucien Jura monsieur. On mon classe moyenne et mon classe moyenne n'a kidnappé. Nous dit nous besoin l'argent. Eh ben, pas bonne menti. Mais nan moment ça à côté que écoutez. Côté gogé ou gagne mon cap mandé amnistie pour vous. Et puis c'est nan moment côté quoi fait kidnapper nous tout le monde on casse brisé, on boulé. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne comprends pas ça. Bon, en tout cas, je dis à madame, monsieur, Haïti fait peur. Haïti fait peur. Tout pays là, pratiquement, peut-être certains pays d'Afrique, mais tout pays là, il y a peur Haïti. Depuis que vous êtes haïtien, il y a du mal, il y a du très très mal. Et que des pays, donc, ils ont interdit qu'on rentre la caillou. Depuis ce bar qui a un rapport avec Haïti, il y a plusieurs pays là qui prennent disposition pour éviter gagner un débarquement massif d'Haïtiens, donc la caillou. Et je dis à vous que un paquet de copes qui a brassé avec Haïti là. La crise haïtienne lui génère un paquet de l'argent, madame, monsieur. Donc c'est dommage que ici en Haïti, après, ces peuples qui ont mouru, non mais bon dit, mais. L'autre gardé, l'autre côté, l'autre pays, t'es quoi, c'est domaine là actuellement là, la font pile coupe avec Haïti. Question hélicoptère, donc, ben ça, il faut qu'il y ait un bon cobrier ça, c'est ça, pour un hélicoptère pour là en Haïti pour mener ce domaine. Elle dit que ce domaine là font pile coupe là avec Haïti, madame, monsieur. Ok? Donc, Haïti, qu'on y a, vient tourner en marchandise, ok, qui rapporte gros. Ok? Qui rapporte gros. Et tout côté passé, il n'y a pas l'Haïti mal. Pas grand côté là dans pays là sous la terre madame monsieur pas grand pays là dans le monde entier qui pas gagne yeux braqué viré donc sur Haïti qui pas grand yeux sur Haïti toute nouvelle tout journal toute télévision donc c'est de Haïti y a parlé et puis il y a des pays madame monsieur qui pas rien devant Haïti non qui pas rien devant Haïti et puis ces pays ça aujourd'hui qui a prendre décision pas qui Haïti entre la caillou y a prendre disposition. Ok, sous question immigration, parce que suspecte que Kagayon et débarquement massif, donc d'Haïtiens qui entre la caillou, donc en termes d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire, madame, monsieur? En tout cas, moi-même, je suis clair sur ça. Dossier Haïti, je prends dans son maman, et qui a une petite li, qui est tombé dans mauvaise affaire. Et malgré que Timounza est tombé dans mauvaise affaire, mais maman, rete maman. Et maman pas d'accord avec elle parce que lui son monde qui dans mauvaise affaire. D'abord nous même bandi qui là pas maman. Bandi qui là pas maman, pas papa. Ça qui fait exaction pratiquement sur population. Ça qui touyer bouler, craser briser. Il va gagner maman, pas papa. Il y a toute une famille justement. OK? Mais est-ce que j'aime tendre au maman dans ce petit lit? Non. On maman parle dépenser parle de nos épicities. Donc c'est mes gens pour Haïti. C'est vrai que je dis regarder état pays en partie nous contribuer à côté nous arriver là parce que non fait sous nous comme dirigeants. OK? Non pas qu'on importance tête nous comme dirigeants et puis nous quitter que l'Occident l'impérialiste OK a fait nous tourner nos formes d'esclavage. Bon, ça pire raide que si blanc te prend en fret et bil calo mais non pour tout le calo. Parce que là dans moment là, j'ai une situation nous là, c'est que yo avili ou. OK? Yo démonisé ou, yo avili ou. Ou pas moun, ou pas gain valeur.
ou l'aide. Gade jodi a la, c'est encore nous-mêmes qui met à genoux dans le pays américain pour nous demander, tant que vous faire voyez Marines pour nous, voyez l'armée américaine pour nous. Jodi a la met à genoux. C'est ça, Américain, qui a besoin. Ok, et c'est ça, qui a besoin, madame, monsieur. Vous savez ce qui est là, c'est que moi-même, je suis là, je suis là. Mais Haïti, c'est ma maman. Haïti, c'est ma maman. Et même si on a gougé maman, quelle que soit la condition maman à vivre là, ou bien l'amour pour maman, ou a toujours kembe l'amour ça pour maman jusqu'à ce qu'on vienne battre. Haïti, c'est ma maman. Bagadi moquette comme d'haïtien. Ok, c'est vrai que situation difficile, est difficile pour tout le monde, mais moi-même, je suis fier de pays. Mais quelque part, un gros problème parce que justement, si c'est moi qui t'ai changé le pays, peut-être qu'il t'a changé déjà. Mais là que c'est nous tous qui devons mettre ensemble pour changer, eh bien c'est ça m'a ouais. Et nous ne pouvons jamais arriver là. Nous ne pouvons jamais ça. Peut-être ensemble ça. Et on va toujours venir pas être causé, on pas être sous-sous que blanc a utilisé pour craser le pays encore, madame, monsieur. Il n'est pas normal, je dis à vous, c'est carré comme. C'est pas petit de respect, non? Hey, yo, kachi, c'est carré comme non? C'est pas. Eh ben, carré comme qu'elle impose son bagage, non? C'est nous autres haïtiens. Kachi, c'est carré comme. Kachi, c'est carré comme. Pour dire carré comme, tant pis, mettez-nous ensemble. C'est dérespecté, oui, madame, monsieur. C'est plus gros soufflette, nous, de Capri, oui. Pour ce carré comme qu'on y a cap dicto. Ça carré comme non? Pays qui constitue carré comme yo. Yo, gagne pas le passe Haïti? Yo, gagne pas le passe Haïti? Qu'on a pour ce carré comme pour voir liste non aller bagaille dans ce carré comme de oui pas un problème et n'a prend ça nous pas prend ça nous pas veut ça mais qui en bouffel m'a voir liste aller yo veut liste aller yo d'accord sur lui yo veut le donner ici yo veut le bail conseil des ministres qu'on a pour les amis quelle honte tu as dit là quelle honte ça ça dit ça l'autre bagaille sur l'autre bagaille on va comprendre ou bien pas ou beaucoup paramètre ça. C'est docteur Ariel Henry qui toujours jusqu'à présent Ariel Henry yo voyez bala Ariel Henry c'est Ariel Henry qui dans qui dans mitan tout débat là tout yo voyez négociation tout bala dans Ariel Henry là c'est Ariel Henry qui prend le voyer bala dans monter et lui même et ben ou dit ou goumer contre Ariel Henry et puis ou tu goumer contre Ariel Henry c'est là docteur c'est pas possible madame monsieur c'est pas possible moi même pas comme ça m'a vu là m'a bon moment. Parce que je ne sais pas comme si moi-même le désir, je dois vivre ça dans le pays d'Haïti. Mais mon jour, pour être à nous l'aide, pour le niveau que nous descendons, et les prochains jours sont encore beaucoup plus difficiles, madame, monsieur. Parce qu'il y a un plan, un plan là pour Haïti. Bon, en tout cas. Et il faut que nous goûtons. Et même si la situation est difficile, rete mounouya assure qu'on pas changer. OK? Et je dis une pile leçon pour nous apprendre là dans pays. Première leçon fond connait que je dis à Haïti a les résumé à Port-au-Prince. Les résumé donc à la métropolitaine, a les première leçon pour nous prendre. Parce que jusqu'à présent, les autres villes de province, tout va bien, l'eau coule douce. Il y a un problème économique, il y a un problème comme si il y a des produits qui n'ont pas sur le marché. Mais je vous dis à vous après que okay, c'est Port-au-Prince qui est le problème. Les politiciens de Radio-Cali ont tenté de faire leur bain dans la province. Là, eh? Oui. Dans le moment où on a parlé là, oui. Si on a besoin d'aller grand dans ce là, dans le Cafouza Boka, il y a un barré. Dans le Cafouza Boka, là. Tout ce qui est basé, on est. Parce que les politiciens de Radio-Cali a goumé pour pouvoir. Pour pouvoir. A dit au barré, fait barrage. Ariel Henry parle encore. Ouais. Barouné comme si vous parlez supposé manifester, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Peuple a été manifesté là, à un moment là. Contre l'insécurité, contre l'obéi, contre le général. Mais je dis à là. Faut chercher quoi? Qui ça va chercher? Bon. Pouvoir nous nommer, nous. Ah. T'as tout voulu mettre ensemble avec l'autre, avec l'autre. Bon, ou pas le faire. Ou le quoi, ou un problème, hein? N'est-ce qu'il y a tort de l'esprit population, hein? Correct. Et vrai, c'est vrai. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. C'est vrai. Yo connaît exactement comment on sait des bagailles faites. Très bien. Yo la gué dans son peuple là, Guy Philippe, pour l'installer. Lou connaissez. C'est méchanceté. Ou pas qu'à faire peuple là ça. Ouais. Nous connaît comment installation faite.
Nous connaissons comment le monde est arrivé à accepter, ok, sous plan national et international. Nous connaissons, nous en bas coupe international là. Nous connaissons, pas d'élection. Nous connaissons, négociation pour faire, pour installation faite, pour mettre nos mounes dans tel bagaille, fait telle manière. Tout nous connaissons comment bagaille est faite. Nous tordons l'esprit population. Hein. Nous mettons dans la tête mounio que Guy Philippe et puis si vous pensez que Guy Philippe c'est un FST, Guy Philippe. Ouais. Mais Guy Philippe est comme intelligent. Il prend tout, il ramasse. Vous comprenez? Ouais. Mais m'a dit nous matin. Mais monsieur était pistel. Yeah, m'a dit nous matin là. Bon, mais information. Guy Philippe a préparé pour l'élection 2025. Ouais. Donc, après transition. Pour la galerie en fait là. En fait, vas-y, je vais Guy Philippe se prépare pour les élections de 2025. Mais faut le poser tout, oui. Pas tant des oreilles, population, non, fait Guy Philippe sous base. Guy Philippe a installé. Menti! Et moi qui dis ça! Et menti! Pas qui va Guy Philippe sous table à vous, même. Qui va en installer? Guy Philippe connaît tout le monde dans l'installation. On a lu. Guy Philippe a préparé pour l'élection 2025. Et c'est moi qui dis nous ça. Pas qu'il y a aucun leader, pas qu'il y a aucun monde. Capteur des oreilles nous, fait nous connaître, fait nous un bagage qui passe. Guy Philippe pas intéressé. Alors qui n'est capable de possibilité pour le commandant 5 ans pour la prononciation dans cette transition. Ouais. Bonjour, comment nous papa ici. Louko. Eh bien. Ah, où t'as la place Guy Philippe pour la prononciation transition? Eh non. Papa ici, mais vérité. Hein. Guy Philippe, l'ancien officier de l'armée, de la police nationale, l'ancien commissaire principal de Delma. L'ancien chef rebelle qui était inversé, Jean-Baptiste Aristide, nous a préparé et l'opinion se prépare déjà. Ok? À la présidentielle. Guy Philippe sera candidat à la présidence en 2025. Et, m'a dit encore, si donné n'a pas changé, Guy Philippe a gagné l'élection à 85%. Avec mon abindou, il veut pas l'installer, a tout désordre la population, a fait mon yokoué en baye qui passe ça. Nous connaît menti. Nous connaît Guy Philippe a préparé pour l'élection. Bon, si nous pas connaît, moi me dis nous ça matin. Guy Philippe pas intéressé à la transition, vrai. Cette question de transition, un an, alors on est à une possibilité comme ça. Nous n'avons pas où est-ce qui a passé là. C'est ramasser Guy Philippe ramasser à travers le monde, une popularité. Qui vient de nous, bah, naturel lié, c'est un leader. Non. Allez-y. Ok, bon, il fait 11h27 et habitants, résidents qui dans oui Catalpa, qui dans zone Catalpa, Delma 65 et rivé Delma 65, zone l'hôpital Espoir, et habitants dans zone Sayo, résidents dans zone Sayo, ils ont remarqué que gagné une machine dans style bus couleur blanche qui a monté descendre depuis 1h du matin dans zone là. La pente descend dit gonjé au face sous tête li donc avec un seul monde qui la donne donc yon monsieur Abab donc la police gardez-vous dans zone ça et qui sa machine ça gagne la donne sa machine ça gagne la donne on machine style bus blanche qui a pente descend depuis 1h du matin donc dans zone Catalpa et zone l'hôpital Espoir jusqu'à évidemment 65 un seul monde la donne dit gonjé au face sous tête li on monsieur Abab donc la police dégage au fait travail. OK, on allait. Et n'a pas souhaité bonne fête à madame Michel Sanon qui a fêté demain. Donc toutes amis Michel Sanon, et bien là Esaü, yo prend avion jodi a. On douzaine de moun, douzaine jeunes femmes. OK. Yo prend avion jodi a, y a le fêté Dubaï. Côté anniversaire Michel Sanon. Oh, okay? Bon. C'est gros fanatique émission matin là. Donc bonne fête à Michel Sanon qui a fêté demain et mais qui déjà prend route là. Donc qui va embarquer tout à l'heure. Et pour aller fêter Dubaï. Donc, Kembe la balague et Bicef. Ok? On allait, madame, monsieur. On a parlé rapidement. Haïti politique. Nous avons deux points à traiter ensemble. Haïti politique. Trois options possibles sont sur la table pour une sortie de crise pour Haïti. Laquelle de ces options sera adopté. On a traité avec l'autre point qui dit Haïti politique, où est passé le Premier ministre Ariel Henry. On allait. Bonne fête à Marie Suze,
Roger, depuis Jérémy. Depuis Jérémy. Ouais. Marissus. Alors, en parlant de Jérémy, moi, Marlène Charles, t'as fait Jérémy là, rapidement. On a vu qui ça qui vient comme urgence. Et avant nous entrer dans le développement de Titio, donc, je dis à l'émission et matin débat. En tout cas, on a un pile, on a suivi nous. Suivez bien, Sambalba, nous, là, et comme information. Et puis, nous allons expliquer nous, donc, probablement, et dans qui ça nous a tombé dans les jours à venir. Et dans les jours à venir. Mais ce ne sera pas facile du tout. Ce ne sera pas facile du tout. On est là avec Amaline, moi qui t'a pris le nom. Amaline Charles, comment nous est? Bonjour, Esaü César. Bonjour, Pierre Matata tout. Bonjour également à Vladimir qui peut pas arriver. Bonjour à tout opérateur. Et puis PDG, Tonton Station Radio ça. Louko Désir, on a pour connaître l'information qui vient de nous. Hier, c'était fait dans la commune Pestel. C'était Saint-Joseph dans Pestel. Côté un peu de monde a été déplacé à aller fêter dans Pestel. Et moun était sorti tribo babon et la ville Jérémy moun sorti également dans Corail dans Beaumont dans Du City pour aller fêter mais nous même n'avons pas de chance pour nous aller mais là on a demandé un coup de cloche pour fête Saint-Joseph l'occasion ça sénateur Guy Philippe pour le désir. Très bien, très bien. Et très bien donc en fait c'est dans Corail pas vrai? Stel, quand commandant Guy Philippe, exactement, c'était fête Saint-Joseph, dans la commune Pestel, le Côte-d'Isère. Ok. Qui ça qui t'a marqué fait ça? Normalement, il y a des activités qui t'ont fait, mais contrairement à l'agence qui t'a fait l'année passée, et il n'est pas arrivé aussi grandiose parce que nous connaissons les pays, les mêmes fermés, pas vraiment monde qui est capable de sortir dans l'autre département pour entrer dans le fait, mais nous capables de faire connaître tout le monde qui t'est déplacé, qui était satisfait, et il y a un peu de monde également qui t'a cherché coucher fou pour voir si vous et sénateur Guy Philippe lui-même dans la rue pour être capable de parler de mais nous avons fait connaître que nous félicitons ça, monde Pestel, bien recevoir tout le monde qui était déplacé venu dans la fête Saint-Joseph dans la commune Pestel. Et puis, le Côte-d'Isère, Jean Esaü César, sont relatés là, hier après-midi, et la commune Pestel, lui-même, était bloqué au niveau Carrefour Zaboka. Mais Jean Esaü dit là, nous avons cherché, on a dit plus, il faut que la population lui-même est édifiée de ça. Parce que si commandant ou sénateur Guy Philippe lui-même li gen l'autre vision politique, eh bien, l'étape extrêmement importante et pour la population lui-même, ta connaît qui position lui-même pour lui prendre, est-ce que yon capable de continuer ou pas avec mobilisation pour non Philippe lui-même était capable de figurer dans ce qui apprend comme destin dans tel pays d'Haïti, le Côte-d'Isère. Bah, on est, et si vous d'avis, mais le Côte-d'Isère, et yon l'autre information, nous avons demandé, parce que nous avons Radio Plymouth, nous avons Haïti Connecté, nous avons Terra Lambi, nous avons Orbit qui est présence qui relaie l'émission, mais nous avons Radio Plymouth, les mêmes côté nous avons fait aussi parler avec Montina. Il te dit, nous pouvons lancer ça pour lui, s'il vous plaît, parce que y a un problème Internet avec énergie pour être capable toujours. Et payant matin débat mais Montina lui-même lui te dit moi consacré lancer ce message à vous mon petite la garde ce qui dans diaspora qui veut aider Radio Plymouth dans affaires internet et ben yo capable relé Montina le numéro ça on va dire là 48 14 07 71 parlant de la vie chez nous connaissons nos jeunes garçons en de ville Jérémy monsieur René Étienne Géraldo monsieur mandé matin débat pour aider parce que fond agence de voyage qui c'est Pierre Richard, agence de voyage, qui prend l'argent li $2,400 pour yon te dit à faire voyage pour lui pendant 2 mois, yon pas jamais fait ça. Et li gen yon passeport, yon te voye Bali pour te voye l'agence à Bay Moun nan, c'était Saint-Gérard Kedlin. Eh bien, li te, c'est mon port de paix que li, yon te fait jeune garçon sa voye l'agence à Bali, monsieur Mandé matin débat, pour ta aider li, pour moun sa te capable tende à l'instant pour te capable retourner voye l'agence, remettre li pour désir. Eh bien. Eh bien, mais sans pile, Amaline Charles, mais sans pile. Merci beaucoup, les bon la journée tout le monde. Merci sans pile. Bon, voilà, donc ça c'est l'information de Christophe Jérémy. N'absolue tout le monde Pestel, tout le monde Courail et tout le monde Jérémy, donc qui branche émission Matin Débat, tout ma gloire, et Jean Amos, en forme, et son ministre Ralph Théano, et sénateur Michel Clérier, nous pas parler du tout. Donc, n'absolue toute l'équipe là, qui branche émission Matin Débat. Ok. Ça va là, je pense que nous avons besoin de connaître ça, parce que Matin Débat, donc c'est référence. Ok? Et où est passé le Premier ministre Ariel Henry?
Ariel Henry est toujours, le premier ministre Ariel Henry est toujours à Porto Rico. Il est dans une base militaire américaine, donc à Porto Rico. Sous la surveillance de services secrets, également de US Marshall. Ok, et c'est ça l'information. Ok, Ariel Henry, je dis à là, il est sous contrôle US Marshall, également service secret américain. Et c'est ça l'information. Et Ariel Henry a pris une question. Je connais si Gede Mouna qui connaît ça, les US Marshall aux États-Unis, probablement. Et les gens qui sont dans la diaspora, capitaine de mission de débat, nous connaissons très bien que les US Marshall. Donc, son l'autre qu'est-ce que lié, nous connaissons ça déjà. Ok? Nous connaissons ça déjà. Information sur. Et ça reproche à Ariel Henry. Nous avons débattu déjà donc, ici dans l'émission Matin Débat. Et nous croyons que nous c'était la première émission qui était bas information sur ce qui a passé par Porto Rico à partir de sources que nous gagnons. Donc des gens qui nous parlent avec eux, okay, qui au niveau de Washington. Donc, et jusqu'à présent, on peut ces mêmes informations que tout le monde pratiquement vient gagner. Dans mon appel là, Ariel Henry, il y a une question que la répond toujours. Mais il y a une vérité que les Américains ont obtenu dans la bouche Ariel Henry. L'emba la sauce là hier, il dit nous quoi? Vérité ça, depuis que Ariel Henry baille, il y a plus de monde dans le gouvernement qui parle en bas code. Il y a plus de monde dans le gouvernement qui parle en bas code. Il y a des gens qui ont arrêté déjà. Des gens, justement, qui travaillent avec Ariel Henry, avec le gouvernement. Dans certains domaines, dans certains niveaux. Ok? Il y a des gens qui ont arrêté déjà. Ce n'est pas seulement Ariel Henry, le diac, qui a pris pression, qui a répondu à une question. Donc, États-Unis d'Amérique. Mais ils ont laissé une porte ouverte à Ariel Henry. Parce que pour la simple bonne raison, Ariel Henry règne en pile service. Je me pose la question, est-ce que Ariel Henry a tourné en Haïti? Sous moi, dit que. Et il n'y a pas qu'à dire rien sur question ça. Ok? Il n'y a pas qu'à dire rien sur question ça. Si Ariel Henry a tourné, ou bien est-ce qu'il n'a pas tourné? Mais ce bail qu'il connaît, il connaît que dans le dossier Haïti, il voulait que c'est Ariel Henry qui pour finaliser la négociation, ok? Pour mettre sous pied. Donc, le conseil présidentiel là, également, fait choix prévenissant et puis après ça, pour être capable de continuer. Ok, ça est très important. Moun ka pose question. Donc, côté Ariel Henry passé. Donc, là, nan moun a parlé là. Li Porto Rico, li nan base militaire américaine. Donc, qui se yon nan gros base que États-Unis gagne. Donc, à Porto Rico. C'est là que lié. Ok? En tout temps, nan dit Aye et Premier ministre Ariel Henry, qui te relé trois moun. Oui, li parle à plusieurs moun. Li parle à plusieurs moun. Belle blague. Li pas un problème même. Monsieur pas un problème. Il pas serré, monsieur. Bah, comme ça. J'ai pris une bonne question, mais comme si li pas un problème pour le prendre téléphone, pour le mettre dans le téléphone. Débat comme ça. Sauf que monsieur pas libre de ses mouvements. Oui. Il pas qu'à quitter base là. Non. Donc, c'est un monde qui a posé question. Donc, plusieurs dossiers pratiquement. Secret service, et c'est pour un peu le monde, c'est des hauts dignitaires. Et ancien haut dignitaire, par exemple, même Michel Martelly, l'aile voyager, c'est secret service au Bali. Pour Bal Sécurité. Bal Sécurité, très bien. C'est-à-dire que, depuis c'est dignitaire, haut dignitaire, ancien haut dignitaire, PIA, non, n'importe qui PIA ou t'es sorti, n'importe qui pays ou sorti, il y a toujours, secret service toujours accompagné. Accompagné, très bien. Et c'est même ça pour Jacques Lafontaine. Jacques Guy Lafontaine. Jacques Guy Lafontaine. Ok. Et Jacques Guy Lafontaine, et après, je suis actuellement là, donc aux États-Unis, je suis deux machines, et c'est secret service qui a monsieur, donc depuis monsieur va arriver, donc aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, on allait. Ok. Et. Il y a trois options sous table là qui sont possibles. T'as des biens, ça m'a dit nous matin là. Il y a trois options sous table qui possible. Première option, c'est option CARICOM. Conseil présidentiel là, que CARICOM travaille avec certains politiciens en Haïti pour mettre sous pied conseil présidentiel là. Option ça, c'est option. Lavalasque. Regardez, les gens qui font partie du conseil, qui ont choisi,
Coca-Cola, Lavalas et Ariel. Et Ariel, oui. Bon, Ariel quand même son monde qui négocie avec Jean-Baptiste Aristide. Donc c'est pas pour cette raison qu'on voit que Aristide gagne fait pas dans le gouvernement et Ariel. Ariel là. OK. Donc option Caraïbes comme là son option Lavalas, il va l'autre bagaille. Tendez bien, comprenez bien. Et l'on regarde les gens qui font partie du conseil là. Ok? Au résigné socio. Côté au branché. Après là, on te fait cap de rappeler dans la politique. C'est des gens à sensibilité la valacienne. Claire. Option, car il comme là. Conseil là, oui. Nous te disons ça déjà dans l'émission Matin Débat. L'Ikavine Baye Marie Nassis comme premier ministre. Il a venu nous comme d'expliquer déjà dans l'émission Matin Débat. Parce que le choix du premier ministre, non seulement il va consulter avec les certains partis politiques, mais d'abord c'est le conseil présidentiel qui va faire le choix. Ouais. À partir de vote qu'a gagné dans le conseil là. Et de voir le vote, après que la Valasse gagne plus de monde qui a voté pour la Valasse, pour Marie Zansis, que l'autre monde qui a voté contre. Ça c'est la première option. Donc ça veut dire. Je te dis ça dans l'émission Matin Débat, je te dis que CARICOM a échoué, CARICOM est capable de réussir si nous sommes sur la dernière émission Matin Débat que je réalise ici. Et je t'explique, si CARICOM échoué, mais ça qui est arrivé comme résultat. S'il n'a pas échoué, mais ça qui est arrivé comme résultat. Je t'explique déjà dans l'émission Matin Débat. Donc, question conseil là, on garde pour nous, on jeudi à lundi, ça qui est passé. Esaü. Ah oui. Et. Gede moun ki nan conseil présidentiel là que vous choisi. Kap ban pile pression là actuellement là. Oui. Qui besoin installer rapide. Oui. Et Ariel a réfléchi, après a dormi. Ariel a dormi. A fait temps passé. Ok, qui besoin installer rapide. Sans question de timing, ça c'est la première option qui sous table là, madame, monsieur. Deuxième option, c'est option Guy Philippe Moïse Jean-Charles. Alors lundi Moïse Jean-Charles, c'est-à-dire équipe ça. Équipe ça. Petite Desalines, réveil. Conseil présidentiel. Il y a Guy Philippe et Durin Durette avec Madame Françoise. Madame Françoise. Ah, c'est deuxième option, madame, monsieur. Mais il y a un petit problème, elles sont en nous là, dans le mouvement réveil, petite Desalines. Elles sont en nous là, Moïse. Et moi avec et Guy, tu comprends? Et on a poussé de façon pas stratégiquement na façon pas. Là, okay. À dire sur le plan stratégique, on veut capouer, tu comprends là? Et mais monsieur Ali même t'a plus intéressé pour la l'élection. Et faut suivre bien pour nous, Guy Philippe pas trop montrer le trop intéressé ou pas attendre dans la radio qui parle de bagaille, transition, bagaille. Guy a organisé, Guy a préparé. En tout cas, mais l'opinion Guy a peut-être a préparé pour l'élection tout. Oui. OK. Mais si pas un problème installé là, il pas de problème lui-même. Oui, ben ça me dit. Même dit mais ça plus intéressé à mandat 5 ans. C'est plusieurs chemins qui mènent dans Rome là. Oui. Mandat 5 ans. Il est pour la transition. OK. On va caler l'élection. Non, pas de transition, mais on met pas une élection, mais son transition qui a fait 2 ans. OK, ça dit que sous pas une folie pouvoir. Ah. Si c'est pays, ça dit, si c'est pays où est vrai. Donc au fond des ans, on connaît que on corriger ba yo. OK, on a déraper révolution. OK. Ça c'est deuxième option madame monsieur. Parce que blanc jodi a américain yo parle à Guy Philippe. En pile. Yo parle à Moïse Jean-Charles. Et yo peur mouvement Guy Philippe là, yo peur mouvement Moïse Jean-Charles là. Ça c'est deuxième option. Troisième option c'est option cassation. Qui est toujours là. Qui est toujours là. Il est toujours sur table là. D'où ça dit madame? Eli Blanc, et les plans B. Plan B. Donc c'est trois plans. Oui. Il y a plan A, qui c'est plan CARICOM. Démarche CARICOM. Plan B, c'est. Plan B, c'est Moïse Jean-Charles avec Philippe. Réveil à Christine Salines. Et puis plan C, c'est cassation. Avec yon premier ministre, madame, monsieur. Donc c'est trois options possibles. Maintenant, on nous garde pour nous. Guy Philippe et Moïse Jean-Charles, ils ne vont pas le temps devant eux. Pour ceux même qui pour passer comme option, il faut que vous contraignez CARICOM imposer le conseil présidentiel là.
Ola Isaï. Quoi, quoi? Vous comprenez bien? C'est mon gars explique nous bataille qui vient là. C'est pour Guy Philippe avec Maurice Charles. Ils contraignent CARICOM imposer Haïti au conseil présidentiel là. Faut contenir ça. Or, CARICOM est en pose au pion déjà. Maintenant, il y a jusqu'à 29 mars. 29 mars qui doit t'habiller. Vendredi. Le vendredi. Eh bien, bon. Même quoi, il y a tout le temps ça. Non, tout le temps. Bon, c'est il y a un week-end. Il y a jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Parce que jeudi, il y a un conseil des ministres. Yeah. Ok, il faut que je informe. Il y a un supposé conseil des ministres. T'as doué. Jeudi, là. T'as doué. Oui. Ouais. Conseil des ministres, tu as fait des biens soirées. Et pour nommer Mounio. Ok. Uh-huh. Et donc, Ariel Henry, avec toute l'équipe, li, a fait conseil des ministres jeudi, là. Pour nommer Mounio. Ok, pour nommer Mounio. Après conseil des ministres, il va sortir dans le moniteur. Correct. Donc, il y a un week-end là. Correct. Et conseil là, tu as supposé au complet. Donc, ça veut dire que Guy Philippe, moi, Jean-Charles, il y a exactement week-end là. Il y a même un week-end là. Il y a un jeudi là. Avant le à demain. À demain jeudi. À demain jeudi. Oui. Puis au contraire. Pour installer tête. Oui, puis au contraire, une CARICOM. Ok, imposer à PIA, conseil présidentiel, madame, monsieur. Si c'est option B, ok, qui vous passez, donc qui c'est option, moi, je cherche avec Guy Philippe. Maintenant, cassation, c'est troisième option. Je ne sais pas qu'on est si. Pierre Martin a tout de côté avec Mion, plus l'autre organisation qui signe avec lui, ou là, l'autre parti politique qui signe avec lui. Donc, il y a un avocat, groupe avocat Min, engagé. Mion et allié. Je ne sais pas si il y a un temps et ramasser le nombre de signatures qu'il faut. Et puis, il y a un temps pour le CARICOM, mais pour le tout côté, supposé pour le donc au niveau de ça, il y a comme contact sur le plan international. Pour convaincre. Moi, j'ai salté dans la cassation. Ça qui passe. Vous rappelez-moi? Rappelez-moi. Eh bien, il est toujours dans la cassation, sauf que c'est le juge là qui le juge direct là. C'est Kana et c'est qui prend la cour d'appel. Donc, il parle dans la cassation lui-même. Donc, il prend direct donc dans la cour d'appel. Ok? Maintenant, par contre, si Pierre Martin a eu une chance lui-même pour rassembler toutes les signatures, ok? Quantité de signatures qu'il faut, ok? Pour arriver. Fait contact yo, et puis convaincre les Américains pour dire voilà, donc nous allons vers cassation. Ça c'est troisième option. Ok. Maintenant, moi, je m'explique que nous, gens que bataille nous, on peut finir. Bataille, c'est après, j'ai fini même. Avant que nous venions à la question de bataille là, qui est une information pour nous. Information. Général Laura Richardson. Oui. Qui c'est général commandement sud de l'armée américaine, donc aux États-Unis. Les clés sous question fait déclaration et que États-Unis capable de voyer troupes donc pratiquement en Haïti. J'ai parlé à quelqu'un ce matin et la personne m'a confirmé que du 1er au 3 avril, a un débarquement de 3000 militaires américains en Haïti. Du 1er au 3 avril, après un débarquement de 3000 militaires américains en Haïti. Son gros tonton bateau qui est venu, qui a bien la donne hélicoptère, qui a bien la donne toute machine armor, ouais, que y'a qu'on y'a. Ok? Et puis, mission 3000 soldats américains, ça y'a, qui a partir du 1er au 3 avril, c'est d'abord sécuriser extérieur ambassade américaine, port y'a avec aéroport y'a, et puis déblayer tout axe routier y'a, et puis, fina que ce bandit est pratiquement dans le pays. Sorti là. Sorti en derrière, mon frère. Ah, il y a une mission, ça, tout. Yeah, mission qui est là, 3000 nègres. T'es chargé. Ok? Fina que ce bandit est pratiquement dans le pays. Donc là. Nous sommes forts, même. Attendez. Nous sommes forts. Non, mais 3000 nègres. L'ambassade là, il y a 3000 nègres, mon frère. Américain qui fait avec. Non, est-ce que l'ambassade là, il y a 3000 nègres, mon frère? Américain, et nous mettons gang. Yo. Ah, mais pas un problème. Mon frère, vous voyez le final avec gang? Attendez, allez fou louco. Attendez quoi? Mbadou non. Attendez, toute politique aujourd'hui. Vous écoutez matin débat. Toute politique qu'a fait avec Haïti aujourd'hui, c'est que ça lié. C'est sous question de sécurité. Ah. OK? C'est sous question de sécurité. Et pas oublier madame monsieur, ça qu'a passé en Haïti aujourd'hui là, il y a une grosse répercussion sur l'élection de Joe Biden en novembre. De fort problème ici Haïti à résoudre. Faut qu'il résout le problème Haïti. Parce que ça a coûté l'élection là, madame, monsieur, le 4 novembre.
Donc le débat actuellement sur Haïti, qui est sur qui ça basé, qui est basé sur l'insécurité. Donc 3000 soldats qui ont entré du 1er au 3 avril, ça a bien fait. Ambassade a besoin de 3000 personnes pour sécuriser. Non, il a venu là pour aéroport, pour port, également pour déblayer axe outil et puis attaquer bandits bâtis dans le pays. Donc elle dit qu'il y a ça seulement déjà, nous fait carré dans la bataille, nous fait carré, madame, monsieur, donc non guerre là, ok, c'est sauf qui peut. Aïe, bon, il y a un bon. Deuxième bar pour nous connaître dans le dossier. Tout cap vin là, dans trois options, si ce conseil là qui arrive, parce que si Kai comme arrive impose ce conseil là avec Ariel Henry et Gamal Avalas, c'est moun sa ou y a baik sécurité. Et si c'est moi, je chale tout avec Guy Philippe qui passe. Il y a Guy Philippe avec moi, Jean-Charles sécurité. Et si c'est dans la cassation, tout qui allait, il y a des gens qui passent dans la cassation, qui viennent président, il y a la sécurité, madame, monsieur. Comme il a été le cas ouais. En 2004. Comme il a été le cas, madame, monsieur, en 2004. Maintenant, moi, Jean-Charles, je tente lié à la conférence de presse, il évoque l'article 1er dans la Constitution, d'accord, qui dit que, par l'air, il y a déplacé par l'air. Si vous avez un problème, mettez-le n'importe qui côté. Ok? Et que les clés sous question, par n'importe qui façon, la peut installer conseil par là lui-même. Maintenant, on a prétendu pour nous. Comme dit nous, les gens ont dit à demain, au plus tard, vendredi, pour faire ça l'affaire, parce que CARICOM déjà en avance. Et là, Valas a vu toutes les quatre. Ok? Contre Guy Philippe, contre Maurice Charles, pousser des matchs CARICOM qui finalisent. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être comme problème dans le pays? On dit que le conseil est installé, arrêté sorti demain ou bien vendredi. Il a installé le conseil présidentiel là. Il a choisi un premier ministre. Je doute fort que ce n'est pas Maryse Narcisse qui l'a pied. Ok? Il choisit un président qui vous préside des conseils là. Je doute fort pour ce pas et sincère que la pied. Et puis, il est entré en fonction. Et puis, il commence à prendre des décisions pratiquement dans le pays. Troupe la venue du 1er au 3 avril, soldats américains viennent dans le pays. Ils sont sécurisés donc mon conseil. Où est-ce que va passer là? D'ailleurs, le corps diplomatique sera présent. Ok? Yeah. Corps diplomatique là à présent. Les responsables internationaux à présent. Donc, sécurité, il faut que garantir. Faut garantir. Et ça qu'il faut, ouais, gagner des soldats américains qui déjà voyaient un contingent à garder comment il se passe par les nationales là. Déjà. Oui. Déjà. Déjà. Ok? Maintenant qu'on y a, on dit qu'on y a, conseil là installé. Je suis le premier ministre, premier ministre Payo. Madame, monsieur, Leclerc, donc c'est la Valas qui a pour pouvoir. La Valas et Ariel. La Valas et le groupe Ariel. Mettez-le dans un panier. Dans un panier. Okay. Ouais. Et la Valas qui prend pouvoir avec le groupe Ariel. Là. Ouais. Comme si Aristide continue à avoir toute influence sur le pays. Hein? Mais Aristide a toujours une influence sur le pays. Dans le pays. Non, le gouvernement Ariel là. Ou Gonzalo Degen comme ministre. Ok? On t'a dit que comme ministre. Donc ça veut dire, madame, monsieur, pas une bataille là entre la Valas face à Guy Philippe et Maurice Jean-Charles. Parce que ni Maurice Jean-Charles ni Guy Philippe, c'est deux ennemis de la Valas. C'est deux ennemis de la Valas. Et ça fait me dire tout à l'heure, si Guy Philippe a l'élection et que l'État avec le conseil présidentiel, lui monte, c'est le conseil présidentiel. CARICOM qui monte, il n'y a aucun choix que agir avec un pile prudence. Correct. Parce que vous plaît justement pour vous arrêter Maurice Jean-Charles, également Guy Philippe, ou bien éliminer vous. Pourquoi vous? Ah. Parce que l'équipe d'Ariel Henry, gardez mon frère, et l'équipe Lavalas sont sérieux, c'est pour ce cas de le conseil là, c'est vous qui avez même mis ce conseil là. Correct. D'ailleurs, correct. Les deux représentants.
le représentant du secteur privé des affaires, c'est Moun Ariel. Représentant accord 21 décembre, c'est Moun Ariel. Et Lavalas. Et Lavalas. Par exemple, ancien président de l'Assemblée nationale lié. Et c'est Gérald Gilles. Correct. Et puis l'autre Moun Yon encore, Lissi Voltaire et consorts, Fritz Jean, tout le monde, c'est Lavalas. Lavalas. C'est-à-dire Lavalas et l'équipe d'Ariel Henry. Correct. Ils ont même mis sous conseil. C'est-à-dire Ariel Henry n'a pas perdu le pouvoir. Ok, pas maintenant tout que Ariel Henry a perdu le pouvoir. Non, il n'a pas perdu le pouvoir. Ligue doit pas premier ministre encore. OK, mais la gagne contrôle pouvoir pour le protéger Ariel. Yeah, pour le protéger Ariel à travers le conseil présidentiel là, madame monsieur. Donc ça c'est si conseil là arrivé installé, conseil CARICOM là. On dit cette deuxième option qu'on y a qui marchait. Donc qui c'est option Guy Philippe Moïse Charles là. Qu'on va joindre toute équipe là va la ça qui va la faire équipe ça. Correct. Mais bientôt si équipe et conseil transition et conseil présidentiel là c'est les installés on va joindre Guy Philippe et Moïse en face conseil là yeah. OK en bonne opposition préparer l'élection pour préparer l'élection et là Karibo ça là je vais tout ah ouais donc c'est pour moi dire madame monsieur problème nous pourquoi finir nous même là brigandaille nous là non là il pourquoi finir il dit nous fait carré brigandaille madame monsieur parce que bataille politique ça n'est pas fini. Il n'est pas fini. Et pourquoi fini, madame, monsieur? C'est vrai que, au cas où les troupes américaines sont entrées, ils ont commencé à faire deux, trois résultats sur le plan politique. Instabilité politique que nous avons là, il va prendre un petit temps pour nous sortir là-dedans. Ok? Donc maintenant, je dis là, comme même au juge, il a annoncé avec fracas. Que la peste le conseil quand même. Maintenant, il faut nous étendre pour nous un jour d'hier, au plus tard jusqu'à vendredi, qui action que le peut mener pour capable installer le conseil ça. Ok? Donc, ça, c'est le premier bagage pour nous connaître. Le bagage pour nous connaître, c'est que nous sommes d'accord avec Esaïe quand il dit que Blanc est aussi mec gang. Oui. Lorsque l'on a tenu compte de zam yo côté sorti. OK, Haïti pas produit zam. Moi et ministre affaires étrangères dominicain li clair sous ça, il dit que li porte démenti formel que c'est à travers ce domaine, c'est passé domaine balio passé ministre passé avec zam yo. Il dit que ce domaine pas produit zam. Ça dit que c'est États-Unis qui produit zam. Et de fait justement madame monsieur pas gain aucune volonté réelle de la part du gouvernement des Américains. Toutes les balles avec munitions, avec les armes appartenant dans le pays, pour voir qu'il y a une décision au niveau des États-Unis. Même là, il y a un guide en Floride, mais l'application de cette décision, est-ce qu'il arrive à appliquer vraiment? Munitions toujours continuent à entrer dans le pays, les armes toujours continuent à appartenir dans le pays, madame, monsieur. Ok? Mais maintenant qu'on y a, si on sait mettre gang, mais je dis, la gang est incontrôlable. Encore des cadavres à Pétionville. Au moins 5 corps sans vie ont été découverts ce mercredi 20 mars, respectivement. Delma 101, gon cadavre là, yo boule le corps à terre jusqu'à présent. Et rue l'ouverture, entrée et des ermites, Rebecca, devant l'école nationale Guatemala, dépassé de cadavre ça. Et oui, panaméricaine, non loin, hôtel Oasis, cadavre toujours. Yeah. Et puis fermeture des banques. Commercial paralysis du secteur informel. Ouais, la peur s'installe à Pétionville. Tout bas, pratiquement, et fermé là, c'est Pétionville. Donc la peur s'installe, et ça m'a dit là, c'est que Haïti, c'est un pays qui fait peur. Non seulement le monde peut payer, mais le monde qui vit dans le pays a tout, donc il peut. Il peut en pile. Ok? Donc, mes situations, madame, monsieur. Donc là, on est en bonne voie. Et ça qui va passer, mais comme on dit, sortis-nous de ça, nous, la donne là, Galibacha, ça, c'est pas pour demain matin. C'est pas pour demain matin. Parce que en dans crise là, on a l'autre crise, ok? En dans crise là, parce que son crise multidimensionnelle, mais en dans crise là, on pas qu'à l'autre crise, ok? Qui a vu empêcher que j'ai à Haïti sorti dans son relié là, ok? Mais et si c'était un cadre politique pour mener Haïti là, pour mener Haïti côté de rivière là, eh bien là ils ont gagné, ils ont gagné, oui, parce que là pratiquement le pays est à genoux. Et tout le monde pratiquement aux abois. Et mon abri l'amoué.
Donc situation extrêmement difficile, pays a fermé. OK? Donc si c'est là où tu voulais que arriver, eh ben il arrive là, mais malheureusement, il arrive là avec nous, avec mauvaise foi nous, avec ignorance nous. OK? C'est là on est d'accord, là, on est parlé de révolution. Et si une révolution qui doit faite, il faut qu'il fête. Il faut qu'il fête avec haïtien. Il faut qu'il fête dans l'intérêt haïtien. Parce qu'au cas faut révolution, il pas fait avec haïtien. Au cas faut révolution et puis ou c'est dans l'intérêt l'autre monde qu'on fait. Qu'on doit pas même rendre compte.